Salut tout le monde, c'est Player Gamer. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 14 de la deuxième saison de Assassin's Creed 2 The Ancient Collection. Donc c'est parti, on va aider Rosa depuis le temps qu'elle me le demande. Hey, réveille-toi. Putain, que dois-je faire? Ça me dit vaguement quelque chose, mais je ne sais pas quoi faire. Ah, je dois les suivre. Où est Antonio? Qu'est-ce que vous attendez? Il faut l'allonger. Allonge-la ici. Où suis-je? Chez toi, en sécurité. Merci. Rosa, qu'y a-t-il? Retire-moi cette maudite flèche. Calme-toi, calme-toi. Laisse-moi voir ça. La flèche a traversé la cuisse. Rien de bien grave. Extrais-la! Rosa, si je fais ça, maintenant! Comme tu veux. Tenez-la. Désolé, ma belle. Désolé! Je vais t'en donner des raisons d'être désolé! Va chercher Bianca. Allez, vite! Il faut que tu m'aides. Comment? Donne-moi un linge propre. Quand je retire ma main, appuie fort sur la blessure. Tu es prêt? Vas-y. Porca putana! Parfait. Non. Toi, tu ne manques pas de crampe. Eh bien, elle a la peau dure. Allez, emmenez Rosa à l'intérieur. Bianca va la soigner. Ça va aller. Le pire est passé. Que la peste s'abatte sur toi, bastardo! Sur toi et sur la truie qui t'a donné la vie! Merci. Rosa est ce que j'ai de plus cher. Si je la perdais... J'ai toujours eu un faible pour les jolies femmes en détresse. Oui, il paraît. Ne sois pas surpris. Nous savons tout sur toi, Ezio. À en croire tes exploits dans toute la Toscane, tu es efficace, quoiqu'un peu... impulsif. Alors tu sais pourquoi je suis ici? Je le devine. Quand tu auras une minute, rejoins-moi dans mon bureau. Nous bavarderons un peu. Il m'intéresse, ce gars-là. Bon. Est-ce que je vais y aller tout de suite ou est-ce qu'il y a un truc pas loin? On va aller voir le dignitaire. On va aller voir le dignitaire. Cela, ma notoriété ne peut plus durer comme ça. C'est lui. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, il me faut un héros. Voilà, exactement. C'est exactement ce qu'il me faut. On va aller raquer un petit peu, mais bon, c'est pas grave. C'est quoi ça? Oh putain, fais chier. Bon. Bon. Ah putain, je voulais me débarrasser de cette notoriété qui me gêne. Bizarre, hein, ils savent tout sur moi, c'est étonnant. Je suis un petit peu flatté. Ah voilà, impeccable. Exactement ce qu'il me fallait. Voilà. Là, nous sommes à Kinonito, on va pouvoir faire la mission, les amis. Tranquillement, sans se faire déranger. Prego. Je peux t'offrir quelque chose? Des biscuits? Du café? Du café? C'est une infusion délicieuse que m'a rapporté un marchand turc. Tiens, goûte-moi ça. Un peu trop amer à mon goût. Je dirais qu'il manque quelque chose. Je ne sais pas, une cuillerée de sucre peut-être? Ou du lait? Tous les goûts sont dans la nature, comme on dit. Assez parlé de ça. Où en étions-nous?
des routes au palais nous a coûté très cher. Nous allons devoir nous relever. Mais Emilio profitera sûrement de la trêve pour renforcer ses défenses. Mais aussi pour continuer d'opprimer tout le quartier. Ce combat n'est pas le tien. Mais nous avons le même but. Rassemblez vos forces et lancez une nouvelle attaque. Agir à la hâte nous infligerait d'autres pertes. Non. Il nous faut des armes et un plan d'action. Je peux difficilement me permettre d'attendre. C'est là que je veux en venir. Rallie notre cause. Mes hommes se remettent lentement de leurs blessures. Trouve-les, ils te diront quoi faire. Plus vite tu les aideras, plus vite nous passerons à l'attaque. Molto bene, Antonio. J'accepte. C'est la bonne décision. Bien. Oups. Voilà. Salut, Rosa. Ça a l'air d'aller mieux. Est-ce que tu te plais à Venise? L'endroit est charmant, mais l'odeur est insupportable. C'est écœurant. Alors, quel bon vent t'amène? En fait, j'espérais que tu pourrais m'aider. Bien, mais encore? J'aimerais apprendre à grimper comme toi. Ah. D'accord, je vais te montrer. Je vais plutôt demander à Franco. Franco! Allez, ramène tes fesses! Montre à Ezio comment grimper en haut de cet échafaudage. Avant tout, commence par te suspendre. Et saute pour atteindre le rebord. À ce moment-là, attrape-le avec ta main. Et puis hisse-toi. Bien. Tu as compris? Ouais, je crois. Y a qu'un moyen de le savoir. À toi de jouer. C'est parti. Agile comme un singe, apprenez à grimper en sautant comme Rosa. Ah d'accord. Ok. Attrape le rebord au plus haut de ton saut. Voilà. Alors, le verdict? J'ai déjà vu mieux. Arrête, je t'en prie, tu vas finir par me briser le cœur. La récréation est terminée. On va voir ce que tu vaux vraiment. Je suis prêt. Rejoins-moi devant l'église des Frari. Ok. Avant, il y a une autre quête secondaire là ici. Juste à côté, c'est la maison. Allez voir ça. Ah, Ezio, je suis content de te revoir. J'aurais bien besoin de tes lumières. Bien sûr. En quoi puis-je t'aider? Emilio a dressé plusieurs de mes hommes contre moi. Je parie qu'il les a corrompus. Oui, nous ne pouvons pas frapper avec des traîtres dans nos rangs. Ils sont quelque part dans ce quartier. Ils nous espionnent et rapportent tout à Emilio. Plus pour très longtemps, crois-moi. Ok, c'est parti. On va éliminer les voleurs. Let's go. Tuer les traîtres. Tu m'étonnes, ce ne sont que des traîtres. On va les éliminer, les traîtres. Vous devriez apprendre les bonnes manières. Venez, mes amis, j'ai des sangsues toutes fraîches. Ces remèdes traditionnels sont les trésors de la sagesse. Dégage. T'as assez chiant la notoriété. Heureusement que ça a disparu ça de la circulation dans Assassin's Creed. J'espère juste qu'ils vont pas le remettre dans le prochain. S'ils remettent la notoriété, ça va être encore un embêtant, mais bon. On fera avec.
Normalement, c'est pas normal, il devrait pas me donner une notoriété comme ça. Casse-toi. C'est vrai, Renzo allait crever là actuellement. Hop. Bon alors, le deuxième, il est où? C'est le deuxième. Bon, c'est pas la mission la plus palpitante, je vous le cache pas, les amis. Tu trouves ça amusant? Je pourrais peut-être te l'agrandir, ton sourire, avec un peu d'eau. Moi, je trouverais ça amusant. Ah ouais, il trouverait ça amusant, le mec. T'as de la chance que je veux pas de conflit, sinon je te tuerais d'un coup. Je t'éliminerai en un seul coup. Alors, il y en a un autre là, ce qui est bien, ce qui va pas être dans la mer normalement. Il y en a un là, mais il est où? Bon bah pas le choix, il doit être en haut à mon avis. Mais il est là! Parlant du loup! Bon bah ça c'est fait. Il m'en reste plus qu'un. Casse-toi. Dommage que la cape des Medici ne marche pas ici. Bon, ça c'est parce que je suis à Venise. C'est ça le problème. Ouais, c'est quoi tous ces archers là postés un peu partout? Hop. Yes, parfait. Il est encore loin l'autre? Celui-là, j'ai l'impression qu'il est super loin. Poussez-vous. Alors, il doit être au marché. Obligé qu'il est au marché, ce gars-là. Il est là. Ah ouais, direct, il m'attaque direct. D'accord. Voilà. Ça, c'est fait. Très bonne chose de faite. Mort au traître. Il y a une forge là. Ça tombe bien. Bon, on va avoir armure, j'ai tout. Oh. Ah non, j'ai pas tout. 17 000, j'ai assez. Hop, on achète ça. Il y a lui aussi. Et il y a lui. Hop. Voilà. Plus ça encore. Il me reste plus que ça. Ce fut un plaisir. À très bientôt. Nickel. Ah, il y a encore deux quêtes à faire là. Oula. Le chemin est encore long avant de finir cette séquence, j'ai l'impression. Voyons voir. Ah, là il y a Rose. On va aller lui faire cette quête. Escalader un échafaudage, c'est bien.
Que dirais-tu d'un vrai défi? Le haut de cette tour, c'est ça? Je reviens tout de suite. Un peu au sommet de la tour en sautant aussi vite que possible. Je vais avoir un temps. Et j'ai un temps. Oh là là, mais qu'est-ce que je fous? Oh là là, cette tour, ouais, elle est coriace, hein. Non ? Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Oh, ça me saoule ! C'est quoi de ça ? Hey, il se fout de moi, sérieux. Allez ! Ezio, allez ! Putain, t'es long. Franchement, t'es très très long. Oh, mais il me saoule. Ah, franchement, il me surine là. Deux fois, putain. Putain, et deux fois, sérieux. Bon, bah, là, les amis, laissez tomber, je l'ai perdu. Honnêtement, là, je l'ai perdu. J'ai perdu ce défi, génial. Super, hein. Franchement, une saute à gérer. Putain, n'importe quoi ici. Allez. Ah voilà, là tu me fais plaisir là. Là t'es allé vite là. Putain, quoi encore? Merde, c'est là. Allez, nickel. Non. Putain, sérieux? 2.30, ouais, normalement ça va le faire. Putain, j'étais vraiment long, hein. Franchement, j'étais, mais très très long. Heureusement qu'il m'a donné 5 minutes, hein, parce que là, super long, quoi. Ah purée, quand même. Alors? T'en sors très bien, je n'ai plus rien à t'apprendre. Je vais prévenir Anton. Termine tes autres tâches. On y est presque. Ok. Bah c'est parti. Merde, mais que... Oh là 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 là. Regardez-le. Un vrai casse-cou. Et le dernier, il est où? Il doit être tout en haut. Ah, il est là. Content de te revoir, Hugo. Que se passe-t-il? Toi et Rosa, vous vous êtes échappés du palais. Les autres n'ont pas eu cette chance. Emilio les a capturés. Ils vont être exécutés. Sais-tu où ils sont détenus? Quelque part dans ce quartier. Mais je n'en sais pas plus. Tu vas devoir les trouver. Aie confiance, je vais sortir tes frères de là. L'évasion libérée prisonnier d'Emilio. Ok. C'est parti. Libérer le voleur. Hop. On va essayer de faire ça en 2-2. Hein. Allez, là, la prison.
Bon, qui dit prisonnier dit garde, très certainement. Parce que je vais pas pouvoir m'occuper de ça tout seul comme ça. Les marchés appartiennent au peuple. Les millions prétendent chercher l'unité, mais en fait, ils veulent tout contrôler. Voilà. Parfait. Venez avec moi. Ah, il faut que je les escorte. Tiens, crève. Tiens. Dégage. Voilà. Ah, il va falloir que j'escorte les voleurs en plus. Oh là là, ça va être chiant. Chiant, long. Tout ce que je n'aime pas vraiment, quoi. Putain, en plus, c'est vachement loin. Faut que je monte. Un allié sur 4 doit survivre. Ok. Bon, ça, moi, mes 4 alliés en survie. Maintenant, plus qu'à attendre qu'il monte. Allez, s'il te plaît, mets-toi là. Suivez-moi. Voilà. Nickel. Bon, le premier, je l'ai plutôt fait facilement. Hein. On est déjà à 22 minutes, merde. Je crois que je vais devoir déborder un peu, surtout que je compte pas filmer après. Donc du coup, ouais, je vais devoir déborder un petit peu, les amis. Impossible que je finisse ça en 5 minutes. Enfin, j'aimerais bien, mais j'y crois pas trop. Ah là, je l'avais pas vu la cage. Étonnant que leur maître ait peur de se montrer. Où est Emilio ? Qu'on en finisse avec ces gueux. Ah oui, là, quand même, là, ils sont pas mal. Eh merde ! J'aime bien quand ça se passe comme ça, purée. J'adore. Au moins, même s'il y en a qui rappliquent, c'est pas grave. Oh purée, je vais avoir... Ils vont me trouver en un coup. Hop, voilà. Ça, je prends déjà. C'est parti. C'est parti, on y va. Normalement, c'est pas très très loin. Hop, dégagé. Voilà. Je devrais partir. Maintenant. Je ne peux pas être mêlé à ça. Et je suis innocent. Ça, je prends. Voilà. Allez-y. Bon, j'ai fait ça quand même en 2 minutes. Il faudrait que le troisième, je le fais ça aussi en 2 minutes. Là, plus qu'à attendre qu'ils arrivent. Enfin, qu'au moins un arrive. Allez. Regardez. Non, ne me dis pas que ça va bugger. Non, ça va. Vas-y, viens. C'est presque. Oui. Vas-y, viens là. Nickel. Ok, il reste plus qu'un. On y est presque, les amis. Et on va pouvoir boucler l'épisode. Dont peut-être la séquence, avec un peu de chance. Mais je ne pense pas. Hein. Je ne pense pas qu'on va boucler la séquence là. Il va nous rester à éliminer Emilio, je pense. On l'éliminera au prochain épisode. C'est pas grave.
Ce n'est point grave. Ah, il y a... Bon, la flemme. Peut-être en retour. Si je prends le même chemin et tout. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu fous, Ensio? Voilà, mets-toi là. Quel 60... 58... Allez! Voilà. On va passer vers là. Ok, j'arrive vers le point, les amis. Oh là là! Il m'agace. Ensio. Putain, l'échelle, elle m'agace. Oh là là, et ça, je déteste. C'est près de l'eau. Je déteste. Déteste les choses qui sont près de l'eau, c'est chiant. Dans les jeux, en tout cas, c'est mal foutu, c'est chiant. Ok, génial. Tout ça à cause de l'eau, hein. Oh là là! Voilà pourquoi j'aime pas l'eau dans les jeux vidéo, c'est chiant. Je sais pas pourquoi ils aiment bien mettre des paysages avec de l'eau dans les jeux vidéo, mais c'est chiant. Ils savent pas les développeurs que c'est chiant, c'est buggé. L'eau à chaque fois c'est buggé dans les jeux. Je vous le dis. Non! Putain, j'avais peur. Bah voilà. Tout se passe très très bien. Merde, ma caméra va bientôt s'éteindre. Oh, putain, me dis pas, je vais faire une liste pour une minute quand même. Besoin d'une saignée, j'ai des sangsues toutes fraîches. Là-bas, allez, encore. Si on y est, il a aucune chance. Là, arrêtez-le. Voilà. Quoi? Dégage. Survécu le mec. J'ai pas réussi à lui assimiler le coup de grâce, c'est marrant. Ah putain, j'oubliais, c'est vrai. J'oubliais qu'ils peuvent pas aller dans la flotte. Bon, du coup j'en ai tué un, c'est pas grave. Du moment que c'est pas tous, donc ça va. Putain, et l'eau. L'eau. Vraiment les amis. C'est le truc le plus chiant dans les jeux vidéo. Honnêtement, que ça soit un niveau de l'eau ou l'eau en général, c'est vraiment le plus chiant. Parce que c'est buggé. Ils sont attaqués? Par qui? Ils m'ont pas attaqué. Dégage. Hors de ma vue. Bon, c'est bon, là, on peut descendre. J'ai de la chance. Qu'est-ce qu'ils font? Bon, si vous préférez descendre là, pourquoi pas, hein. Du coup, on y est presque. Oh putain, là, magne-toi, Adrien, magne-toi, rouille-toi. Ça, je prends. T'as plus de temps là, tu n'as plus de temps. Tac. Voilà.
Plus qu'à attendre qu'ils arrivent. Donc du coup j'ai un peu débordé, désolé les amis. Mais bon, c'est pas grave, j'ai pas trop débordé non plus. Juste de quelques minutes. Allez, magne-toi. Nickel. Venez. Tu m'impressionnes. Je ne m'attendais vraiment pas à te revoir de sitôt. J'aime me rendre utile. J'ai annoncé la bonne nouvelle à Antonio. Reviens plus tard. J'ai une autre mission pour toi. Tu peux m'en dire plus ? Retrouve-moi.